Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois pour un nouvel event. Les events pleuvent en ce moment. C'est limite n'importe quoi car on en a vraiment beaucoup beaucoup et c'est difficile de tout suivre. Regardez, c'est bien simple quand on ouvre le calendrier des événements, enfin le petit déroulé des événements. Roue de la chance, faveur de la fête, le plus grand gouverneur, la ligue d'Osiris, la célébration de l'anniversaire, le gâteau de la célébration, recherche des bougies, surprise de présence, festival du premier anniversaire, pinacle de la force, mise en ligne, œil pour le talent, attrait pour l'or et le dernier onglet communauté. Donc on en a vraiment plein plein plein. Hier je vous ai déjà fait une vidéo sur la présentation de la mise en ligne où je vous donnais mes pronostics. Si vous l'avez raté, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en suggestion et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. On est déjà à plus de 500, on est en route pour les 1000, je vous en remercie et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc pour l'événement d'aujourd'hui, le tout nouvel événement qui a été rajouté, c'est la roue de la chance avec Edouard. Et donc aujourd'hui, nous allons faire de nouveau un Max Wheel Spin pour essayer de continuer de monter Edouard et pouvoir voir ce qu'il vaut après en combat, en PVP, en open field. Alors, mon Edouard actuellement, c'est le héros que je focus. Actuellement, il est en 5-4 et 0-0. Et je le bloque à ce niveau-là puisque je veux le passer en 5-5, évidemment, avant de lui faire passer le niveau supérieur. Comme vous le voyez, j'ai du stock d'étoiles, donc ça devrait le faire pour le monter. Et au niveau des livres, vous verrez, j'ai de quoi aussi le monter. Alors, vous me demandez souvent pourquoi je garde mes gemmes stackées. Bah, je les garde pour ce genre d'événement, ça m'évite de les dépenser, d'avoir envie de les dépenser. Donc là, pour faire un max wheel spin, si on regarde bien, on est sur une roue de la chance où il y a 60 tours, certains n'en ont que 50. Là, on est sur une roue à 60 tours par jour, sur 3 jours. J'espère que j'aurai autant de chance que la dernière fois. Je vous invite aussi à aller voir mon dernier Max Wheel Spin avec Edouard. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous mets aussi le lien en suggestion. C'était assez impressionnant. J'étais très heureux. J'ai même fait un tour de 5, un lancé 5 fois où j'ai eu 11 têtes sur un lancé. Donc, j'avais jamais eu autant de chance. Donc, on va essayer de faire mieux. J'espère faire mieux cette fois. Alors, pour faire un max wheel, il va me falloir donc faire 43 000 gemmes à peu près. J'en ai 37 000. Donc, on va aller finir de monter à ce qu'il faut. Donc, voilà, on est à 39 000 et on est à 43 000. Ça sera suffisant. Allez, on est parti et on va voir. On commence par le premier tour gratuit. Le premier tour gratuit, on obtient une tête. Donc, déjà, on est bien parti. Ensuite, on se fait le petit tour à moitié prix, puisque le tour à moitié prix est plus rentable que le lancer 5 fois. Le petit tour à moitié prix, qui ne compte pas en plus dans les chances du jour, bien évidemment. On a de l'or, c'est toujours utile pour faire les T5, même si c'est pas ce que je préfère pour le coup. Et on est parti sur les 5 tours. Allez, qu'est-ce qu'on a? On commence par une tête d'Edouard, parfait. On commence par un accélérateur ensuite. Pour l'instant, c'est bien. Un deuxième accélérateur, pas de problème. Une tête générique. Le 8 têtes, hein, je cracherai pas dessus, hein, comme vous tous. Bon, des boosts de recherche. Il y a mieux, je préfère les boosts génériques, bien évidemment, ou les trainings, mais c'est pas grave. Ensuite, on continue. De l'or. Eh ben, dis donc, je vais pas en manquer. De la nourriture, je m'en moque. Donne-moi un 8. Encore de l'or. Bon, ce tour-là, il est pas terrible. Hein. À moins de le rattraper avec un 8 têtes, mais non. Ok, celui-là, c'est pas mon tour préféré. On n'a pas eu grand-chose d'intéressant. Allez, on continue. Je veux des 8 têtes. C'est tout ce qui m'intéresse. Donne-moi des 8 têtes. Bon, encore des accélérateurs. Une tête. Non, 8 têtes. 8 têtes. Encore une tête. 8 têtes. Et encore une tête. Bon, j'en ai eu 3. C'est mieux que rien. Allez, encore 45 tours. On continue. Allez. Non, bah, j'aurais préféré une tête que des accélérateurs de training, mais bon. Je les prends quand même, c'est toujours mieux que de la pierre. Une tête, il veut pas me donner de 8 têtes aujourd'hui. Hein. Encore une tête, donne-moi des 8 têtes. Et encore de la pierre, bon. Ça va pas être un grand tirage, je le crains. Une tête, allez, continue, donne-moi que des 1 tête ou des 8 têtes. Non, je veux pas d'or, je veux des 8 têtes. Je veux des 8 têtes, allez. Allez, 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 4 têtes. À croire qu'il est même pas là, une tête. Ouais, t'en rêves pas, hein, y a bien le 8 têtes, ouais, il est juste derrière, il est à l'opposé. Allez, il reste 30 tours.
Allez, oh là 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 là, là j'y ai cru, je vous cacherai pas que là, je pensais qu'il était pour moi le 8 têtes. Allez, donne-moi des 8 têtes, donne-moi des 8 têtes. Oh, il veut vraiment pas le lâcher, hein, il fait son rat, hein, vas-y. Arrête de me donner des 1 têtes, donne-moi des 8 têtes. Allez, on a fait la moitié du chemin. 2 étoiles, bon, donne-moi des 8 têtes quand même. Encore une tête, allez, je vais faire 60 tours sans une seule fois 8 têtes. C'est pas possible. Bon, allez. Bon, là, que des étoiles et des têtes en or, c'est pas mal, mais je préférerais évidemment des 8 têtes. Allez, il y en a un, tu me le donnes. Ok, c'est cool les 1 tête, hein, il n'y a pas de problème, mais si tu donnais des 8 têtes, ça serait mieux, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de têtes pour finir. Allez, je veux faire un 5-5 là. Va falloir que j'attende demain et le deuxième Max Will Spin pour monter en 5-5 Edouard et enfin lui faire passer. Le niveau 20, allez, 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 allez. Bon, encore une tête, ok. 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, ce serait super. Hein. Ce serait vraiment bien si tu me donnais 8 têtes. Ok, bon, ce tour-là, on a fait 4 têtes. Il reste 3 tours, 3 fois 5 tours. Allez, on y croit. Une tête, on va faire un tour, je vais faire 5 fois 8 têtes. Ça va être magnifique. Allez. Allez, 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 on continue. Oh là 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 là. Bon, bah il me reste deux chances pour faire des 8 têtes. Donc forcément là, moi si je fais 2 fois 8... Ah là 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 là. Sauf si je fais des 2 fois 8 têtes, là le tirage il sera moins bon que le précédent Max Will Spin que j'ai fait pour le moment. Allez, donne-moi. C'est pour compenser en fait. Bon. Bon bah voilà, c'est le dernier du jour. Ah, je suis un peu déçu là. Hein. Donne-moi que des 8 têtes. Maintenant, on arrête les bêtises. Non, pas que des 1 tête, que des 8 têtes. Ah, il m'a mal con. En fait, c'est ça son problème. Il a un problème d'audition, voilà. Voilà, c'est ça son problème. Il a un problème d'audition. Je lui demande que des 8 têtes, il me donne que des 1 tête. Bon, bah, pour ce tirage, il n'a pas été dingue. Heureusement, il y a les coffres pour compenser. 5. Allez. 5 têtes génériques. Et 10 cultures. Ah, j'en ai peut-être assez pour ce premier passage, pour l'upgrade avec les têtes génériques. On va voir ça tout de suite. Ah oui, bien sûr, ça passe. Ok, 40, tac. Et il m'en restera 16. Et voilà. 5, 5. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir lui faire passer ce niveau. Ok, super. Donc maintenant, on a débloqué la compétence. Et maintenant, on va le passer. Bon, vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des livres. Je suis plutôt tranquille. On va le faire changer de niveau. On va le faire aller au niveau 30 tranquillement. Je vais d'ailleurs user que ces livres-là, je pense, pour aller au 30. 27, 28, 29. Hop. Et on le finit avec ça. Et voilà, niveau 30. Donc il est niveau 30. On verra pour l'arbre de talent comment je l'ai réparti. Là, je suis parti sur une optimisation côté archer. Et je partirai après sur la compétence avec peut-être, comme je l'ai fait là, quelques points sur la polyvalence pour augmenter l'attaque et la vie des unités. On va voir comment je pars sur l'arbre. Je vais sûrement partir sur un arbre de compétence sur la gauche, sur celui-là, vous voyez, sur cette zone-là. Voilà, tous pour un, la défense, le sang brûlant. Classiquement, une fois que j'aurai fini cet arbre-là, l'arbre, bien évidemment, des archers. Donc voilà pour cette petite Max Will Spin. Enfin, j'ai passé le niveau 20 avec Edouard et je suis en 5-5. On va pouvoir le monter bien plus haut à présent. J'espère qu'il va être bien puissant. Normalement, de tout ce que j'en ai lu et vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Ne vous noyez pas dans tous ces events. Hein. Si vous devez faire une roue de la chance et que vous êtes limité et que vous voulez attendre l'optimisation, encore une fois. Je vous l'ai déjà dit, la patience paye, donc attendez demain ou après-demain si vous devez faire que quelques tours, car il y aura peut-être demain ou après-demain un event plus de gemmes sur votre serveur. Sur le nôtre, il est passé il n'y a pas longtemps, il y a moins de 15 jours, donc ça m'étonnerait qu'on en ait un autre. C'est pour ça que j'ai pris ce risque de le faire maintenant. En revanche, pour vous, si ça fait un mois que vous ne l'avez pas vu, attendez demain ou après-demain, il y a souvent plus que des gemmes avec la roue. Donc n'hésitez pas à attendre et vraiment si d'ailleurs vous ne devez faire que quelques tours, attendez le dernier jour de la roue pour le faire, comme ça vous pouvez avoir une optimisation d'event et optimiser votre dépense de gemmes.
J'espère que si vous faites la roue de la chance, vous aurez justement plus de chance que moi, car j'en ai pas eu beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.